Plus tu comprends l'ennemi, mieux c'est. Pas facile à coincer celui-là. En aide. Merci. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, allez, t'en fais pas, mon pote. Ça arrive même au meilleur, tu sais. Zatio. Bon. Merde, c'est pas toi. On va en retraite, Noct. Malheureusement. Ah, y'a des bombos, fais chier. Ah, je pourrais le tuer, le 30. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je peux le tuer, le 30. Mais avec les bombos en plus, non, ça va pas le faire. Salut, mon petit. Et bah alors, t'en as mis du temps. Ah, je suis plus aussi rapide qu'avant. On a vu que le gameplay il est très simple en fait. Allez, on teste, on reteste. Ah, débarrassons-nous de ça. Eh ben, la chance est bonne. Pas question de baisser les bras. Ah merde, y en a deux. Chier. Je m'en tape complètement. Ah bah depuis le début, je m'amuse comme un fou, hein, avec les répliques de Prompto en français, mais c'est bon quoi. Ah là, on s'amuse. Hein. Ça va, j'ai déjà tué des niveaux 22, ça passe. Hein. Le 30, je le fais. Hein. Qu'est-ce que vous diriez de camper ici? Je dors debout. Mange quelque chose avant de te coucher. Eh oui, faut manger avant de dormir. Oh, fais-moi des boules de riz, vas-y. Non, des... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment ces trucs? Des boules de riz, c'est tout? C'est un nom. Hop là, déjà niveau 5, yes. Oh, beau cliché, bravo. Avec la régalia, pas de photo ratée. Ce fut un combat qu'on n'est pas prêt d'oublier. Onigiri, ouais. Apparemment, les démons sortent toutes les nuits. Les gens ont l'air de s'y être habitués. Ouais, ces saloperies prennent un peu trop leurs aises. Ça, moi. Onigiri. Moi, je pourrais jamais supporter. C'est sûr qu'on est plus tranquille à la capitale. On sort le soir autant qu'on veut. On peut même faire des courses. Oh, vous êtes aussi des créatures nocturnes, en fin de compte. Passer une nuit dehors dans le coin, c'est ce qu'on va vous faire coup sûr. Ouais, même pour nous, ça reste risqué. On vient de Évitons de finir en dîner pour démons. J'avais justement envie de chasser. Oh.
Oh, hey, c'est pas le moment de faire l'idiot. Ferme ta gueule. Le sang, ça va être vite. On expédie ça vite fait. Sérieux. Comme sur des roulettes. Allez, on avance. Putain. C'est mon téléphone qui sonne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller récupérer des magies. J'aime bien faire les magies. Par contre, les magies, c'est un truc que j'ai kiffé. C'est faire les mix de magie, en fait. Genre entre feu, glace, foudre, machin. C'est pas mal. Ça, c'est sympa. C'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé sympa, en fait. Ouais, au lieu de démon, il dit... D-E-A-M-O-N, ouais. On va s'amuser. Oui, enfin, sauf si on en ressort jamais. Tu sais mettre l'ambiance, quoi. Ils vont pas comprendre ce qu'il leur arrive. Un bon entraînement, ça. Pardon. Ah merde, j'ai loupé. Eh, hey, ça va de ton côté. J'aime pas les QTE. Pas de problème. Ignis, soyons précis. Gacho, vas-y. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose, en fait. C'est des attaques par l'arrière et c'est bon. Hey, Prompto! Attention à pas glisser! Prompto! Cette fois, la peur va changer de camp. Bien joué, Prompto! Normal! Dans le cas, j'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte! Franchement, bats les couilles, ta recette. Franchement, lâche-moi. Avec ta recette de merde. Ah, la version Steam tourne bien en tout cas, ouais. Je suis à combien? Le jeu tourne à... dans les 80 FPS pour moi. Tout est en élevé, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Ça va. Ça va, ça va. Il est beau. En avant. Oui, chef. Gadio. Je suis un vrai jeu d'enfant. L'expérience. Ton arme est contre moi. Tu risques d'être exposé. Prends-en une autre. Mais tu ne sais pas ton cas. Tu vas fermer ta gueule, laisse-moi jouer comme je veux. Incroyable, mec. Quelle rapidité. Allons-y ensemble. Regarde ça. On est proche de la perfection, non? Oui, très proche. Oui, 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 ferme ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les Saint Cindy sont magnifiques, ça va. Bon, on dirait des ballons, quoi. C'est du silicone, hein. C'est du silicone. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, glace. Je me demande ce que c'est ce bip. Je crois qu'il faut que je réponde à quelque chose. Mais j'ai pas envie. Le feu là-bas. Ah.
Comment on enlève? Arcane infectieuse 2. Arcane double 2, c'est pas mal ça. Yo! Alors, on a fait une super magie. Ah, normalement, on peut. Ah, quête temporaire. Ouais, il y a vraiment que Cindy qui est intéressante. Je me sens. Arrête de parler. Arrête. Alors. Moi j'attends les, si on se repose les mods avec Cindy quoi. Hey Noct, on va manger au Crow's Nest? Encore de la malbouffe. Pour grossir, il n'y a pas de meilleure solution. Ouais, c'est pas faux. Je sais plus où est le mec par contre. Il a failli m'écraser, tiens. Ah mais il est juste là en fait. Ça je prends, merci. Tiens, c'est vous. Et pour cette fois... En fait... Let's go. Alors ils en ont trouvé une autre. Une autre quoi? De quoi tu parles? Une petite médaille. Nous, les chasseurs, on porte une plaque d'identité au cas où. Au cas où vous auriez oublié votre adresse? Non, plutôt pour savoir qui ils étaient. On risque notre vie en étant chasseurs. Et parfois cette médaille... C'est l'unique chose que l'on retrouve de nous. Ça fait partie des attributions du clan, de prévenir les familles. C'est pour ça. Faut le tuer, Prompto. Faut l'assassiner, faut l'égorger. Ben, si par hasard, vous tombez sur des plaques d'identité de chasseurs, ce serait possible de me les remettre? Ok. Compte sur nous. Quelqu'un a repéré une plaque de chasseurs pas très loin d'ici. Le mieux est de demander des détails au resto, le Crow's Nest. Je suis en train de me faire couler du poison. Oh. C'est ça, les fameuses plaques. Mieux vaudrait la ramener. Ne serait-ce que pour la famille. T'as raison. Ce serait bien. On a qu'à aller. Bienvenue. Alors, vous avez choisi? Les dialogues, ouais, les dialogues sont horribles. Les dialogues Faites attention à vous. Je veux bien, genre, tu le fais pas, genre, pour les adultes, tu le fais pas trop sérieux, tout ça. Mais tu le fais pas pour les 10 ans, quoi. Ça va, quoi. Parce que là, c'est horrible, hein. Avec Prompto, mais Prompto, tu... Mais moi, je ferai jamais la route avec un mec comme ça, quoi. Je crois que je lui mets un coup de tête, au bout d'un moment, quoi. Genre, après 30 minutes de route avec ce mec, un coup de tête, direct. Et après, je le laisse sur la route. Bord de la route, comme ça. À la limite, je lui donne... Non, je lui donne rien, en fait. Non, je le laisse sur le bord de la route. Bon, quelle est la stratégie? On fonce dans le tas. Tu massacres. Ah, tu fais... Je me contenterai de les contourner. Tu fais BBB, et c'est bon. Ah, il n'y a pas une option, là. Je tiens. Voilà. Tu fais BBB, et ça passe. C'est bon. Let's go. On avance. Ouais. Ouh. Qu'est-ce qui se passe encore? L'adieu du chasseur. Récupérez la plaque d'identification. Oui, c'est parce que c'est la plaque où c'est qui a écrit leur adresse.
Par là, peut-être. Ah, j'ai loupé. Ah, je me fais manger. Arrêtez de vous faire des checks comme ça, ça sert à rien, on est en plein combat, bordel de merde. Bon, d'accord, allez, on va prendre une arme rapide. Je vois pas, je vois rien. Il est mort à des tapés. T'es vraiment trop fort. Eh ouais. Oh, putain, allez, avance, avance. Ah tiens non. Ça dit pas quand j'ai lancé le jeu, genre pour les anciens et les nouveaux... joueur, non, ça dit pas ça. Enfin, je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Non, je pense pas. Non, ça dit juste Windows Edition. Ah, vous avez trouvé. Oh, non, c'est... Essayez de pas trop penser. Enfin, c'est justement pour ça que c'est important. Mais. Et ça. Ouais. Je dis la même. Un fil de la trame. Succès. Ah oui, on pourrait aller dans la mine. Non, on va faire l'histoire principale, ça va me saouler en fait. Hop. Let's go. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais, on y va? C'est le moment où c'est que tu poses la manette. Pas autre chose. Ah. Bah Cindy, elle fait office de Tifa en fait. Parce que Tifa, ce qui était important, c'était ses seins, apparemment. Donc Cindy, elle la remplace. Genre le balourd il sait lire. Genre. Regardez, on voit la mer. Ouais, t'as raison. C'est le quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Non. Mais derrière c'est quoi? C'est une montagne ça? Non, c'est un crabe géant. Bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche. Non, c'est peut-être une montagne sur une île. Mais pour leur massage, connard. Célèbre dans le monde entier. Et aussi les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Les crustacés. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Noct, surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris. Le mec, quand même, il peut se téléporter.
comme ça. Bon, je peux pas le faire là, apparemment. Mais le mec, il peut se téléporter et il a, mais il a mal de mer. Donc il, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, donc il faut qu'il prenne des médicaments. Eh oui, parce que bon, médicaments. Les affaires sont les affaires. Allez, à bientôt. S'il est malade. S'il est malade. Ah non, j'ai plein de... Oh putain. J'avais pas regardé les armes. J'ai des armes toutes pétées en fait. Oh la vache. C'est un peu pourri en fait cette version. Enfin, cette version elle te donne tout plein d'armes. C'est un peu... C'est un peu la merde quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la Gunblade. On a la Gunblade de... De Lightning. Ça, c'est la Gunblade de Lightning. Ça, je sais pas ce que d'où ça vient, ça. Ça, je sais pas d'où ça vient, ça. Ah, on a la Mazamune aussi. Oh, putain. Évidemment. Évidemment, on a la Mazamune. J'avais complètement zappé. Non, mais ce skin de voiture, je crois qu'il est seulement pour la version royale. Une épée légendaire originaire d'un pays lointain qui assène parfois d'importants dégâts à une cible et n'a pas encore été blessée. Qui n'a pas encore été blessée, j'arrive même plus à parler. Gaibolg, la lance... Ah, c'est la lance de Kane, je crois. De Final Fantasy 3 ou 4. Dague Mutisma, ça c'est les dagues de Zidane. Ou Jidan en anglais, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est tout. On va prendre des dagues. La Mazamune, je l'aime pas. Enfin, la Mazamune, c'est une épée à deux mains. Elles sont lentes. Enfin, non, on va la prendre quand même. Voilà. Donc, on a les armes d'un de meilleur jeu, en fait. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien avoir les armes de meilleur jeu. Mazamune, c'est FF7. C'est l'épée de Zephyroth. Bienvenue. J'espère qu'on se reverra. Ou pas. Ah, il y a un truc là. Non, je voulais sauter, putain de merde. Let's go. Wow, c'est spectaculaire ici. Et cette brise est sympa. Putain, téléporte-toi. Je pensais pas que j'apprécierais autant le bord de mer. Ah ouais. T'es capable de changer d'avis. Elle était pas... Oui, la Mazamune, elle est pas comme ça du tout. La Mazamune, elle est classique, il n'y a pas de décoration dessus. Enfin, en tout cas, celle de Zephyroth dans le jeu. Bienvenue à Galdina. Elle est très grande, mais elle est très classique. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien... Après, peut-être hélas, que c'est la Mazamune de Gilgamesh. Il manie pas une Mazamune aussi? Libre à vous d'attendre, si vous vu voulez. Vu qu'il collectionne les épées. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non. Juste de l'argent de poche. Hein? Bon. T'es qui, toi, au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. Oh. C'est ça. T'es qui, toi, au juste? Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange, mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Eh oui. Oh, quelle poisse! Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi. Parce que la mer, elle est trouble, tu vois. Merde. J'ai trop mangé. Alors, faut parler à lui, il va nous donner. Malheureusement, une quête. Vous pouvez pas faire grand chose. L'Empire a donné des ordres très clairs.
aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que... arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance, je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. D'une sucette. Qu'est-ce que tu veux ? On a Mog, hein. On a les Mog. Ah, t'acceptes ? Génial ! Montre-moi ta carte. On a des chocobos aussi. Bah, les chocobos, c'est dans tous les finales. Hein. Je les Mog aussi, la plupart du temps. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tronche du prince sera à la une des journaux. Je comprends pas pourquoi le port est fermé. J'ai aussi une épée, je peux te la mettre dans les omoplates. Enfin, entre les omoplates. Et du coup, bah tu me feras plus chier, quoi. Dis donc, il a l'air de tout savoir sur toi, lui. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux lui parler? C'est ça? Bienvenue à la mer des perles. Yep. Nos poissons viennent tout juste d'être pêchés. C'est pas la voix de... pas Dorothée, mais... dans les Chevaliers du Zodiaque. Vous recherchez un plat en particulier ? Voilà ce qui est disponible. D'Athéna. Ceux-là, ils sont vraiment terribles. C'est elle, non ? C'est sympa, merci. De Willow aussi ? Ah, désolé. J'ai regardé la Buffy... maintenant sur M6, quand j'avais 10 ans, je sais pas quand ça passait. Puis après j'ai re-regardé en fait toute la série entière, mais je l'ai regardé en VO par contre. Je pouvais pas la regarder en VF, je pouvais plus la regarder en VF. Attention à ne pas vous blesser. Chevalier, attention à ton cosmos, fais attention à ton cosmos. C'est ça qu'elle dit, non? Ah oui, il faut donner à manger au chat, putain. Oh la vache! Ça me pète les boules par contre. Oh, oh un chat. Oh, un chat. Tu fais quoi, toi? Une petite balade? Tu vois pas qu'il a faim? Bah alors, tu t'es perdu ou quoi? Peut-être que t'as faim, hein? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat ? Passer de DS à serveuse. Ou alors on lui pêche un poisson ? Bonne idée. On va pêcher ? Oh putain. On va d'abord taper des monstres. Chevalier, tu dois concentrer ton cosmos. Il faut y aller. Gladio, on y va. J'arrive. C'est bien fait les vagues de la mer. Ça bouge pas beaucoup. Ah, oh, je crève de chaud. Eh ben, t'as qu'à enlever ta veste. On va dire qu'il n'y a pas de vent, voilà. C'est une mer très 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 calme. Oh,
Ouais, bon, en fait, là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'atmosphère aussi. Hein, parce que là, pour être calme, c'est calme. Hein. Putain.